Vous regardez RTL. Ah ben tiens, ça fait plaisir. Bonjour Céline Dion. Je suis tellement contente de vous retrouver, là, vous autres, dans votre morning show, là, avec M. Calvi, qu'on sent qu'il a guinché tout l'été sur la lambada, là. Du coup, ça balance bien cette rentrée, là. Ça swing sur RTL, là, je le sens, là. Ah ben, c'est gentil, ça, merci. Céline, merci. Et vous, votre été s'est bien passé avec votre tournée mondiale du Japon à l'Australie, hein? Tu parles d'un été? Moi, la canicule, c'est dans mes combinaisons en latex que j'ai senti, à faire des galipettes sur toutes les scènes du monde. Ben oui. Avec la sueur, ça me collait comme du sirop d'érable. Là. Quand mon habilleuse m'enlevait ma tenue de Catwoman, là, ça faisait sparadrap. c'est affreux, là, je vous le dis. Oh, faut pas pleurer. Ah, mais je vous dis pas, plus bas. Oui. Ça faisait carrément ventouse. Vu que je suais de l'arrêt. Oh, on a tendance à suer de l'arrêt quand c'est engoncé comme ça. Là. Ah, mais je suis cachant, je vous dis tout. Hein. C'est pas du possible. Bon, vous avez tout de même triomphé, même au Japon. Ah, de se faire la bamboche à Tokyo alors qu'il fait 45 degrés, c'est pas une vie. Je luisais tellement qu'on aurait dit une poutine qui serait restée trop longtemps au four à micro-ondes. Pour me rafraîchir, là, la maquilleuse. Elle y allait pas à coups de débarbouillettes, hein, mais carrément à coups de linge de vaisselle. C'est horrible, mais c'est horrible. Pendant que vous autres, vous doriez la couenne sur les plages en gougoune. Ah, moi, j'avais les nougats qui cuisaient dans les cuissardes en PVC. Une orale. Alors, puisque vous en parlez, c'est vrai que vos tenues de scène ont fait beaucoup parler cet été. Vous êtes même apparu dans un haut très transparent qui a affolé vos fans. Hein. Ben, fallait bien que j'aère le balcon. Je n'ai donc pas hésité, j'ai enlevé mon sac à boules. Votre quoi? Quoi? C'est quoi un sac à boules? Mon sac à boules, ma brossière, quoi. Comment vous appelez ça, vous autres? Ah oui, le soutien-gorge. Bah oui, tout simplement. Jamais très bien compris, d'ailleurs, pourquoi vous appelez ça le soutien-gorge? Parce qu'à part pour cette grosse dandon d'Adèle, c'est pour la gorge que ça soutient. Bon, alors votre tournée mondiale est maintenant terminée. Vous voilà en vacances, Céline. Les vacances, c'est vite. Pendant que je trimais dans mes méga shows, cette maudite Beyoncé en a profité pour agiter son croupion entre la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Ah, vous faites référence au fameux clip de Beyoncé et son mari, Jay-Z, tourné au Louvre, qui cumule déjà plus de 100 millions de vues. Ah, c'est bien pour ça que je suis à Paris. Je vais pas laisser cette maudite Beyoncé twerker dans mes sables de la Joconde. Là. Du coup, je m'apprête à aller tourner mon prochain clip au musée d'Orsay avec mon Pépé Munoz. Ah, et quel tableau allez-vous interpréter? L'origine du monde. Oulalalalalala. Je vois bien à l'œil de M. Calvi que ça vous met la mine dans le crayon. Hein. On va en parler, vous visualisez le tableau. Oui. Le fameux tablier de sapeur peint par Courbet. Oui. Et c'est pas votre Courbet à vous. Hein. Julien, lui, s'occupe de la chaudière de Mme Michu, tandis que Gustave, lui, il l'a peint. Je suis tellement contente.